Salut à tous, alors aujourd'hui petite vidéo déballage de matériel, c'est une plaqueuse de champ Holstroffy, une PCP2. Une machine qui va être très pratique pour ceux qui font beaucoup d'agencement, mais on peut aussi plaquer du bois, enfin des champs de bois jusqu'à 4 mm d'épaisseur. Alors cette machine est fournie en coffret et avec est fournie deux réservoirs de colle de 800 grammes chacun. On va ensuite passer au contenu de la boîte. Donc avec cette plaqueuse est fournie un coupe en bout, un coupe champ. La platine pour travailler en portatif. Et la plaqueuse de champ. Donc sur cette plaqueuse, il y a un bouton marche arrêt, un bouton de mise en température de la colle, ainsi qu'un interrupteur de mise en marche pour entraîner le champ, et le potentiomètre pour accélérer ou réduire l'avance. Ici, la mise en place de la semelle permet de travailler en portatif. Elle possède une petite graduation pour pouvoir régler la hauteur du champ utilisé. Elle permet aussi de plaquer des champs inclinés. Bon, pour moi, la semelle réglable sera pas très utile puisque je préfère utiliser les plaqueuses en portatif, donc je me suis collé une petite table pour pouvoir l'utiliser en stationnaire. Ça va très vite à installer sans modification de la machine. Il y a des alésages prévus à cet effet dans la machine déjà. J'ai aussi prévu un système de fixation avec des petites presses qui seront prises sur la table d'amortisseuse. Ici, on a le réservoir à colle. Ici, cette molette, c'est pour régler la quantité de colle à déposer sur le champ, mais c'est uniquement à tourner quand la plaqueuse est chaude. Ici, le réglage de la hauteur du champ en entrée de la plaqueuse. Donc, c'est une machine qui est prévue quand même pour plaquer des champs assez hauts, assez larges, jusqu'à 62 mm de largeur et 4 mm d'épaisseur.
Ouais, ça va me permettre de plaquer mes champs tranquillement sur la prochaine réalisation que je vais avoir à faire. Une bibliothèque, je vous mettrai une petite vidéo à la fin. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je voudrais remercier les trois tipeurs qui m'ont financé sur Tipeee. Yohan Supa, le Fafa des Bois, qui a une chaîne YouTube, vous pourrez retrouver le lien dans la description. Et Arnaud Luba. Encore merci à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !